Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on teste une nouvelle prise de vue. Hein. Alors je répète, hein, moi je suis pas youtubeur. Donc je m'excuse pour les inconvénients de la vidéo. J'espère que ça vous conviendra comme ça. Donc aujourd'hui, le custom de Lilian. Voilà. Donc on est toujours sur un 2011. On est sur un level 2. Lilian m'a demandé que le custom soit inférieur à 0,84 joules. C'est la puissance dans son association maximale autorisée pour un engagement sans distance, en fait sans distance d'engagement. Donc là, avec ça, il va pouvoir engager à partir de 1 mètre. Voilà, à bout portant, on va dire. Donc, il n'y aura pas de passage chrony aujourd'hui. Alors je l'ai déjà passé au chrony, je sais qu'il est inférieur à 0,84 joules. Hein. Il n'y aura pas de passage chrony aujourd'hui parce que j'ai pas pu régler la trajectoire comme je voulais à cause du temps pourri de la Lorraine. Voilà. Donc on va le démonter et puis on reviendra sur les pièces au moment du remontage. Hop, allez, c'est parti. Donc on est sur une base de 2011 Marui Stainless. Level 2, ça je l'ai déjà dit. Donc avec un trigger job, une prépa sur le marteau. Alors comment je sais qu'il est à 0,84 joules sans avoir réglé la trajectoire? Avec les nouveaux blocs op-up TTI, je sais à peu près combien de tours de molette, combien de crans de molette je dois mettre hein, pour que le op-up soit réglé. Donc j'ai mis à peu près les crans de molette qu'il faut. Je l'ai passé au chrony. Et on est largement en dessous des 0,84 joules. Donc Lilian, tu n'auras aucun souci. Tu pourras jouer ce custom partout. Pour être aussi bas, j'ai changé de nozzle. Hein. Je suis passé sur un Edge standard qui permet de jouer à 80 PSI pour commencer. Hein. Jusque pareil, 110, 115 PSI sans souci. Et sauf qu'à 80 PSI, bah, tu vas être très très bas. En joule et en FPS. Voilà, donc tu pourras engager aux distances que tu veux. Après, comme je t'ai dit par téléphone, avec cette puissance là, donc ça c'est si tu joues en CQB. Si tu joues en extérieur, tu auras juste à monter tes PSI. Hein. Tu peux monter jusqu'à 110 PSI sans souci. Et là, tu auras beaucoup plus de puissance et tu pourras, on va dire, tu n'auras pas plus de portée. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, 0,84 joules, tu auras la même portée qu'à 1 joule. Sauf que la bille arrivera un petit peu plus vite à 1 joule. Et donc l'adversaire, la verra, aura moins le temps de l'esquiver, on va dire. Parce qu'à 30-40 mètres, en dessous de 0,84 joules, ton adversaire va largement voir la bille arriver, hein, sauf si tu le prends par surprise, mais si tu fais un face-à-face, il la verra arriver. Et du coup, il aura largement le temps de l'esquiver. Hein. Donc là, pour jouer en forêt, ou sur des grandes distances, tu n'auras qu'à monter, ajuster tes PSI. Et puis tu pourras engager sur de plus longues distances plus facilement. Enfin, pas plus facilement, en étant sûr que. En donnant plus de chance, on va dire, pour que l'adversaire ne l'esquive pas. Hein, parce qu'on sait tous qu'en airsoft, à 40 mètres, des billes qui arrivent doucement avec des grammages importants, tu peux les voir arriver et tu peux les esquiver facilement. Je parle pour des petites puissances comme ça. Hein. Voilà, donc n'hésitez, vous me direz en commentaire si ce format-là vous plaît plus que le format que j'avais GoPro en frontal. Et puis, bah, si ça vous plaît plus, on continuera les vidéos comme ça. Hein. Alors l'inconvénient, si je peux dire, hein, vous verrez, ça cite déjà très vite. Hein. L'inconvénient de cette config, c'est qu'avec les nozzles standards, donc pas les longues versions, je peux pas mettre autant de buffer qu'avec les nozzles longue version.
Voilà. Donc on va passer de 8 buffers. Là j'en ai mis 3 pour assurer le coup. Mais comme m'a dit Lilian, lui, c'était pas trop le cycle lui importait peu. C'était de pouvoir engager à des distances très courtes. Voilà. Donc le cycle rapide, c'est bien sur des longues distances où les mecs vont pouvoir envoyer des traits de billes, hein, comme ils font. Hein. Et là, du coup, effectivement, l'adversaire va baisser la tête, comme on dit. Hein. Là, à courte distance, le cycle un peu moins rapide, c'est pas très important, dans le sens où si je t'engage à 2-3 mètres avec un cycle lent, t'auras pas le temps d'esquiver. Hein. Voilà. Alors, on est donc sur une base Marui 5.1 Stainless, donc 2011, hein, je répète, pour ceux qui verront la... J'explique, là, il y a une vidéo qui va arriver sur ma chaîne, hein. J'explique d'où vient le 2011 et à quoi correspond le 2011, hein, parce que je vois des choses bizarres sur les réseaux. Voilà. Donc, on n'en dira pas plus sur cette vidéo. Le grip, on est sur un grip Marui, hein, standard, là, du 2011 de base. Le trigger, donc on est sur un long curve edge, voilà, hein. Sur un trigger bar Airsoft Masterpiece en acier ajustable et ajusté. Le trigger job est fait. On mesurera tout ça. Là, on voit que le trigger a une très bonne action. Hein. On mesurera tout ça en fin de vidéo. L'éjecteur de chargeur, on est sur le Marui Stainless. Voilà, impeccable. Voilà, on voit là tout de suite que le trigger est assez court. Hein. La frame, qu'on est sur la frame du 2011 Stainless Marui. Voilà, j'y ai mis le rail tactique donc, qui est fourni par Marui. Hein. Tu pourras mettre toutes les lampes que tu veux dessus, il n'y a pas de souci. On est sur un disconnecteur inox, on n'est pas sur du coco, c'est un autre, très très performant, disponible sur le site. Alors ça c'est du GLP, c'est très performant, ça passe très bien dans les grips Marui, les grips coco, mais ça ne passe pas dans les grips alu. Il faut faire une petite retouche, je vais en discuter avec Joe. Joe, c'est Jolo, hein, c'est le fabricant de ces pièces-là. Il manque pas grand-chose. Hein, il faut qu'il fasse un petit réusinage d'un millimètre quelque part pour que ça passe correctement sur les grips alu. Le cire d'entraînement du marteau, on est sur de l'acier. C'est celui qui est fourni avec le marteau Airsoft Masterpiece qui est ici. Type Circle Biton en acier. Voilà, magnifique. En fait, je les kiffais pas trop ces marteaux, puis. Ben, plus je les ai travaillés et plus je trouve qu'ils sont pas mal quoi. Ils sont originaux, on n'en voit pas beaucoup. Honnêtement, j'ai beau regarder sur, alors je fais pas tous les forums, hein. Je suis juste sur le forum le plus important d'Europe, hein, iCapa Owner. Et des marteaux circle comme ça, on n'en voit pas des masses. Hein. Ressort de verrou de percuteur renforcé, verrou de percuteur, donc on est sur du JLP aussi, pour moi le meilleur verrou de percuteur du marché, ça par contre ça passe avec tout. Hein. Très 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 léger, ne freine quasiment pas la culasse. Hein. Non, pas quasiment, ne freine pas la culasse du tout. Hein, j'ai déjà eu des verrous de percuteur en main, la culasse passe pas dessus. Hein. Je tairai le nom de la marque. Le ressort du percuteur, donc là on est sur du Marui, hein. Ça c'est standard, j'en ai vu une seule fois cassé, donc normalement ça casse pas. Le percuteur pareil, on est sur de l'acier, c'est celui qui est fourni avec le marteau Airsoft Masterpiece. Voilà, on a une bonne action du percuteur, pas de problème.
Ah, donc je répète, hein, ça c'est une réplique d'Airsoft, ça tire des billes de 6 mm en maïs compressé biodégradable, je vais tuer personne avec ça, même pas un oiseau. Hein. Donc arrêtez de me dire que c'est des armes à feu, là, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Hein. Et c'est vente autorisée, vente libre en France, hein, sur une personne majeure, hein, plus de 18 ans, donc il n'y a aucun souci. Hein. Ce n'est pas une arme à feu. It's not a real gun. Voilà. Regarde bien ce qui se passe. It's a toy. Alors, je me tirerai bien dessus à bout portant pour vous montrer, mais je suis quand même pas mazo à ce point-là. Hein. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring Dr. Black, hein, voilà, pour moi le meilleur Sear Spring du marché, il n'y en a pas de meilleur pour le moment. On peut faire quasiment ce qu'on veut avec ce Sear Spring là. Hein. Ah oui, d'accord, pardon. Si je ne l'avais pas dans la fente, je me disais qu'il y avait un petit problème là, voilà. La sécurité de grip, on est sur la sécurité de grip Airsoft Masterpiece, donc stainless. Voilà. Alors le petit défaut du stainless, c'est que le traitement peinture là qu'ils ont fait, je ne sais pas ce que c'est exactement comme peinture, ça passe, il passe assez rapidement et on se retrouve sur le Zamac qui est en dessous, c'est moins joli quoi. Ça c'est le défaut du stainless. Ressort du marteau ajustable et ajusté. C'est hyper réactif, c'est très léger, très court. Le Safety Spring Plugger Airsoft Masterpiece, ça c'était un petit cadeau que j'ai fait à Lilian. La sécurité de grip, de pouce pardon, donc toujours la stainless Marui. Qui s'enclenchera, les sécurités de pouce peuvent avoir tendance avec des prépas comme ça où la culasse cite très vite à s'enclencher tout seul. Là avec le Safety Spring Plugger Airsoft Masterpiece, elle ne s'enclenchera pas tout seul. Voilà. La culasse, on est sur la type 800 pourpre, mire arrière Marui. J'ai offert aussi à Lilian les vis coco pour remplacer les Marui qui ont tendance à casser. Et je lui ai offert la mire avant coco à fibre optique. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, elle est fixée. Tu ne pourras plus jamais l'enlever celle-là. Enfin, si tu pourras l'enlever, mais ça ne sera pas simple du tout. Mais il n'y a aucune raison de l'enlever. Elle est très jolie. Elle fait très bien le taf. Hein. Voilà. Le BBH. On est sur un BBH en aluminium. Silver. Disponible sur mon shop. Nozzle Edge. Donc, standard. Pas le longue version. Ce custom pourra être joué donc HPA à partir de 80-85 PSI selon le régulateur et au gaz. Alors le gaz, hein, toujours pareil, je conseille uniquement l'ATM, un gaz de chez Airsoft Entrepôt, c'est le meilleur gaz du marché. Ça, vous allez sur Airsoft Entrepôt et vous achetez le gaz avec la puissance que vous voulez qui correspond à la saison du moment. 150 pour l'hiver, 130 pour le printemps et début été, et 110 pour les grosses chaleurs caniculaires. Ici, les grosses chaleurs caniculaires, on n'en a pas beaucoup. Non, je déconne, quand il fait chaud ici, ça tape. Pour le moment, ça tape pas des masses.
Il me semble que le nozzle avait une meilleure action la dernière fois. Très bonne action du nozzle, hein, y a pas de problème. Donc là, d'habitude, je vous montre toujours des nozzles longue version. Hein. La différence, on voit bien que là, le nozzle, c'est comme un nozzle Marui. Hein, on peut le tirer jusqu'en haut. On peut voir le joint du piston du BBH apparaître. Donc plus facile pour l'entretien. On perd un petit peu en vitesse de cycle. Donc ça, pour les gens qui font du speed surf, bon, bah, c'est pas ce qu'ils recherchent. Hein. Là, on va plutôt être sur un CQB. Donc. Avec un engagement qui, voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter. Le canon interne, on est sur du Dr. Black en aluminium 601 pourpre. Le bloc hop-up, on est sur le bloc hop-up TTI Airsoft, le meilleur bloc hop-up du marché, ça y a pas à chier. Et à mon avis, avant qu'il se fasse rattraper, maintenant, il va y avoir du chemin. Il a séché tout le monde, le gars. Super matos, usiné dans la masse. Il ne s'ouvre plus en deux. Une plage de réglage impressionnante avec le même joint hop-up. Vous pouvez lever de la 0,25 à la 0,40. Le seul risque que vous avez, bah, c'est que si vous avez un joint hop-up pour lever de la 0,25, il va forcément être mou. Donc quand vous allez jouer avec de la 0,40, bah, il va rapidement s'abîmer et se déchirer. Et la nouveauté que j'ai pas encore eu le temps de mettre sur le site, parce que je privilégie maintenant les customs de mes clients à la vente du site. Si vous en voulez, vous me contactez en privé. Je ferai toujours un petit tarot pour m'aligner sur les prix les plus bas du marché. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le nouveau canon externe de chez Dr. Black. Donc là, on est sur le Geohome Silver. Il est juste magnifique. Voilà, c'est de la dentelle. Franchement. Pas de vis 11 mm pour le traceur ici. Ici, toujours la petite gravure. Voilà, c'est très très joli. Le spring guide plug, hein, maintenant Dr. Black fournit ses culasses avec les nouveaux spring guide plug, ressort de culasse. La tige guide en deux parties, aluminium, Dr. Black, silver. Donc vous l'aurez compris, on est sur du biton silver et pourpre. Et donc, voilà. Trois petits buffers. Donc vous verrez, ça va déjà largement assez vite. Hein. Le mec qui va rencontrer SP en CQB, il n'aura pas le temps de faire grand chose. Après, le PA ne fait pas tout, hein. Faut savoir aussi tirer, s'en servir, avoir de bons réflexes. Hein. Je dis pas ça pour toi, Ligueur, hein. Absolument pas. Hein. Mais voilà, le PA ne fait pas tout. C'est comme les belles voitures, ça fait pas tout. Ou c'est comme, je sais pas, une belle chaussure de foot, ça fait pas le bon joueur de foot. Hein. On pourrait en donner beaucoup des exemples comme ça. Voilà, enfin, bref. Un petit peu d'huile, donc ça c'est, je répète, j'ai aucune part de marché chez eux non plus, hein. C'est l'huile Decathlon, rayon chasse, Soloniac, la marque, c'est la marque Decathlon, elle fait très très bien le taf, c'est uniquement pour les parties métalliques, pour le joint du piston du BBH, il faut de l'huile siliconée, et par pitié, ne mettez plus de graisse sur vos PA. La seule chose que ça fait, c'est que ça ramasse toute la merde, ça fait ventouse, et après c'est la grosse misère. Le PA il tombe pas. Donc là on est bon, on va en mettre un petit peu sur la tige guide. Et le slice top, c'est le slice top du stainless. Voilà. Le custom est remonté, on va faire une petite mesure de trigger, la pression, la course. Alors pour ça, j'ai oublié de préparer ça. Tiens, pour
changer. Bah, maintenant que je l'ai en main, on va commencer par la course du trigger. Donc je rappelle, pour mesurer une course du trigger, je vais venir ici appuyer. J'arme. Là, il est prêt à partir. Il y a vraiment un léger jeu. Hein. Donc voilà. Il y en a qui appellent ça le reset du trigger. Moi, j'appelle ça le point de rupture. On relâche le trigger. On entend le disconnecteur qui s'est armé. On est prêt à tirer. Donc, je vais faire pareil pour la mesure. Hein. J'arme la culasse. Je vais chercher le point de rupture. Voilà, c'est tellement court et sensible que ça part tout ce que je l'ai renclenché. J'ai cherché le point de rupture. Voilà. Bon, c'est tellement léger que l'appareil le déclenche. Voilà, là on y est. Je mets à zéro. Alors là, vous n'allez pas le voir, j'ai plus la frontale. Désolé. Désolé, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ouais. Là j'ai un petit peu bougé, là je bouge, ça va pas en fait. Ça va pas le faire comme ça, il va falloir que je trouve un autre système. Est tellement sensible en fait que quand je pousse sur l'appareil, c'est l'appareil qui le déclenche. Voilà. Voilà, 0,74, 0,75. Donc c'est un petit peu près, c'est à peu près les mesures que je fais maintenant, hein, entre 0,70 et 0,80. Donc là on est à 0,75 mm de course de trigger. Nécessaire au déclenchement de ce dernier. Donc je répète, un Marui, on est entre 80 et 90 grammes de pression sur un trigger. Hein. 43 grammes. Donc 40 et 30, 70 on va dire. Ça c'est pas on va dire, c'est 40 et 30, 70. Hop, je me suis raté. Alors la preuve que ça n'a pas déclenché, j'étais à 25 grammes. Et 28 grammes, donc on va réarrondir à 30 grammes. 40 et 30, 70 et 30, 100 divisé par 3, on a une moyenne de 33 grammes de pression nécessaire pour déclencher le trigger. Alors, pour le test, comment on va se la jouer? On va essayer de faire comme ça. Tac. Tac. Okay.
mettre la bouteille de HP ici. Donc là, je suis repassé sur des PTS, des longs, mais que je charge vraiment à un tiers. Hein. Parce que mes cours sont morts, ils sont rincés. Voilà, petit traceur qui sera peut-être bientôt disponible. Hein, voilà. Effet carbone, vert, il y aura toutes les couleurs. Peut-être que j'en aurai bientôt disponible sur le shop. Alors, est-ce qu'on voit là? Ouais, là, vous allez voir là. Impeccable. C'est moi, c'est le doigt qui fatigue, hein. J'ai pas un doigt de speed softer. Voilà. Le chargeur est vide. Donc c'est très léger. Ça part très très vite. Et il n'y a que 3 buffers comme vous avez pu le voir. Hein. Et donc là, j'étais à 80-85 PSI, Lyon. Hein. Donc tu pourras largement jouer à 80-85 PSI, ce qui te permettra d'être largement en dessous des 0,84 joules. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu veux envoyer un peu plus fort, tu auras juste un pour jouer en extérieur pour que la bille arrive plus vite sur l'ennemi. Sans distance d'engagement entre à 0 à portant, tu auras juste à monter les PSI. Hein. Voilà. Donc là, on est inférieur à 0,84 joules à la 0,25 à 85 PSI. Voilà. Ben, je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est plus des lives, hein, parce que YouTube m'a kické le dernier live. Hein. Ils m'ont dit que j'utilisais des armes à feu. Hein. Alors c'est vrai que la dernière réplique que j'ai faite pour Stéphane, vous verrez la vidéo bientôt, elle est très réaliste. Hein. C'était pas du tout le même genre. Donc voilà, maintenant les vidéos seront sur ce format. Si ça vous plaît, vous dites. Si ça vous plaît pas, vous dites aussi. Hein. Juste que les critiques soient constructives. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ciao, bisous.